Cette saison, on n'a pas été épargné par les blessures. On a eu aussi la chance d'avoir des sélections, ce qu'on n'avait pas. Voilà, mais tout ça fait partie de la vie d'une équipe du haut de tableau et on doit faire avec, comme on l'a dit. Assurez-vous, on sera 15 à Perpignan samedi avec 8 remplaçants et déterminés à ramener des points d'Aimé Giral puisque la qualification pour les phases finales passera forcément par un bon résultat à Perpignan. On sait très bien qu'on va, on va chez un adversaire qui, encore moins que nous, je vais dire, a le droit à l'erreur samedi. Perpignan, même si aussi il est maître de son destin, il faudra, pour être sûr, peut-être qu'il gagne les 4 matchs qui restent pour se qualifier. Donc voilà, on sait que ça va être un véritable déjà 8e de finale pour eux et pour nous. Donc dans un stade, on va dire, sympa, dans un contexte qui va être difficile. Où ils vont être bien sûr survoltés et surchauffés par leur public. Donc voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est une très bonne. C'est une très bonne condition pour nous pour, en vue des phases finales et avec l'expérience quand même qui est la nôtre maintenant, que ce soit de phase finale ou de match de H-Cup, on doit être capable d'aller à Perpignan avec malgré tout des ambitions.